Salut à tous et bienvenue sur Don't Starve. Don't Starve, c'est un petit jeu indépendant, sorti il y a un petit moment maintenant. Il était sorti pendant son développement, toutes les 3 semaines exactement, vous aviez des mises à jour. Je vais vous avouer que j'avais commencé la chaîne, je voulais faire ce let's play dans les premiers jeux, puis bon, ça s'est pas fait, vu qu'il y avait des mises à jour, j'avais une partie qui s'était supprimée, j'ai pas pris les risques. Je l'ai repris il y a quelques temps et j'avoue qu'il est relativement addictif. Vous le trouverez sur Steam au prix de 13,99€, je crois. Donc souvent, il y a des promos où on peut l'avoir un petit peu moins, mais franchement, pour le prix, personnellement, ça fait plus de 40 heures que je suis dessus et il tient bien en haleine. Donc Don't Starve, c'est un petit peu particulier. Bon, les graphismes sont très particuliers. Il est relativement comparé à Minecraft pour le côté craft, récolte, survie, etc. Mais après, je ne m'aventurerai pas là-dessus parce que je ne connais pas particulièrement Minecraft. J'ai joué très très peu. Sinon, on va passer par le côté des modes en premier pour vous expliquer. Je vais lancer une première partie avec vous, mais avec quelques modes activés. Alors, vous avez plein de modes disponibles maintenant, soit sur le site officiel de Cli, où vous pourrez télécharger plus de choses. Enfin, plus ça dépend, certains sont sur le workshop de Steam et d'autres pas, et vice versa. Et donc, soit vous avez des modes qui vous permettent des trucs abusés, or là, ça va uniquement être des modes qui vont un petit peu simplifier le gameplay et la lisibilité surtout. Donc, notamment celui-ci qui va permettre d'activer des données numéraires, on va dire. Donc par exemple pour la vie, etc., vous allez le voir en jeu, on peut y jeter un coup d'œil bien plus rapidement qu'avec les jauges un petit peu difficiles à lire. Auto-équipe permet de s'équiper automatiquement d'une arme ou d'un équipement de récolte directement en cliquant sur l'objet correspondant. Ça fait gagner du temps et puis bon, on galère moins comme ça. Celui-ci peut être considéré comme abusé. Comme vous allez le voir, si vous mettez une armure, normalement vous ne pouvez pas porter de sac et vice versa. Donc celui-là vous permet de porter le sac et l'armure. Bon, je ne vois pas pourquoi on ne peut pas porter une armure avec un sac, mais c'est pas grave. Celui-là aussi permettra de ne pas mourir au bout de 6 jours. Ce mode ici va vous permettre de voir ce que va vous apporter la nourriture. Ça aussi, je l'expliquerai un petit peu plus en détail une fois en jeu, ça sera beaucoup plus clair. Ici, nous avons une mini-carte activée pour savoir où on en est, et ça, c'est un petit personnage avec lequel j'avais commencé. Donc justement, ce personnage m'a bien aidé quelque part, parce que j'avais commencé une partie, justement, il y a eu une mise à jour, et donc je me suis suicidée pour pouvoir débloquer les personnages. Parce qu'en fait, vous allez pouvoir débloquer plein de personnages, mais à partir d'un certain nombre d'XP. Et ces XP, vous les gagnez par rapport au nombre de jours où vous avez survécu. À savoir que vous gagnez 20 points d'expérience par jour de survie. Pour débloquer tous les personnages, hors les deux autres qui se débloquent en mode aventure, il vous faut survivre 80 jours consécutifs. Donc voilà, bref. Du coup, je l'ai fait. Comme ça, on va essayer un personnage qui m'intrigue, que je ne connais pas. Et qui a l'air particulier, mais on y reviendra. Bref. Voilà, vous avez un menu qui est apparu qui s'appelle la morgue. Vous avez toutes vos morts, donc les jours survécus, dans quel mode vous l'avez fait, ça aussi je reviendrai sur les modes. Là d'ailleurs, pourquoi il n'y a pas l'avatar? Oui, je pense que ça va être celui avec le personnage avec le mode que j'utilise. Donc le personnage qui est mort et la cause du décès. Bon bref, vous avez un petit récapitulatif, voilà. Donc on va faire une nouvelle partie. Donc pour choisir le personnage, vous allez ici. Donc là, vous avez tous vos personnages. Donc vous commencez normalement avec Wilson, ce chercheur qui arrive, et c'est avec lui que vous allez commencer à débloquer. Bon, il y a énormément de vidéos avec lui en français. Celle où je n'en ai pas trouvé non plus, et c'est pourtant un personnage qui a l'air vraiment particulier à jouer, ça va être la dernière que je vais vous montrer. Donc celle-ci, c'est une pyromane. Lui est plus fort que les autres. Elle tape un petit peu moins fort, mais elle est suivie le fantôme de sa sœur, en fait, qui va vous aider à attaquer les monstres. Nous avons un petit robot. Alors lui, il est un petit peu bizarre à jouer. Donc à peur des noirs et des monstres, je pense qu'il a sa santé mentale qui baisse. Ça aussi, j'y reviendrai parce que vous pouvez devenir fou. Et donc ça, c'est ce personnage que je vais prendre. Alors on y revient. Et tiens,
Ah, d'accord, ok. On n'avait pas la... D'accord. Donc lui, il a une hache avec qui il parle et il se transforme en castor quand il coupe trop d'arbres à la fois. Et les deux derniers personnages qui sont débloquables à mode aventure. Donc Wes, c'est un mime qu'on débloque en résolvant une énigme dans le mode aventure. Et Maxwell, évidemment, qu'on débloque en finissant le mode aventure. Le mode aventure, c'est assez particulier, mais vous allez voir. Donc celle-ci, c'est la bibliothécaire. Elle utilise des livres. Hein. Donc c'est beaucoup de choses. Auto-publie ses livres et ne peut pas dormir. Donc par contre, on ne pourra pas dormir. Vous pouvez fabriquer des tentes, etc. Mais elle ne peut pas. Elle ne peut pas dormir. Donc on va choisir notre perso. Après, on peut paramétrer le monde. Donc savoir les ressources qui vont apparaître. Savoir aussi qu'il y a des saisons. On va avoir l'été et l'hiver. L'hiver est assez particulier. Bizarrement, c'est la saison que je préfère. Mais bref. Voilà, vous pouvez choisir si vous voulez moins plus d'araignées, moins de ces trucs-là qui sont horribles et qui vous détruisent tout. Enfin bon, toutes les ressources, vous pouvez les modifier et vous faire votre propre partie. Donc on va tout laisser par défaut et on va faire commencer. Faut savoir que dans Starve, vous arrivez, vous ne savez pas ce qu'il faut faire, clairement. Vous êtes totalement largué dans un monde sans explication et vous allez découvrir les choses à votre insu, quoi. Donc voilà, tous les mondes sont générés aléatoirement. Donc vous pouvez recommencer autant de parties que vous voulez. Ouais, mon petit gars, c'est une nana quand même. Ok, donc il faut trouver à manger avant la tombée de la nuit. Donc maintenant, on va passer à la truc de récolte. Qu'est-ce que j'allais dire? Oui, les mondes sont générés aléatoirement. Donc, oups, alors attendez, je suis pas repassée. Voilà. Donc, vous pouvez recommencer autant de parties que vous voulez. Vous ne ferez jamais la même chose. Hop. Alors, les baies pour manger, de ça. Donc, ça va pas forcément être vraiment de la découverte parce que j'ai quand même pas mal joué. Mais on m'en découvre tout le temps. Et puis, ce perso, comme je disais, je ne connais absolument pas. Donc ça va quand même être de la pure découverte aussi. Donc le premier jour, le but ça va être de faire un max de récolte. Oh non, ça c'est chiant parce que ça bouffe les baies. Non, 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 j'irai avant. Et donc savoir où on... Ah, j'ai pas de hache. Des haches, il me faut du filet. Et savoir où on va établir notre camp. Notre camp, en fait, il va y avoir un feu de camp qui va nous permettre de ne pas être dans le noir parce que vous avez... Voilà. Donc, je vous expliquerai ça la nuit parce que ça va être un petit peu short là, je pense. Surtout que je ne vois pas beaucoup de silex si ça y est. Hop, alors on va. Ici, on a le menu de gauche qui nous permet de créer des objets comme ça. Et en restant appuyé sur le bouton le clic gauche ou la barre espace, vous allez activer votre équipement qui lâche pour couper du bois. Donc, je vais vous faire des épisodes. Le premier sera un petit peu plus long, vu qu'il y aura l'explication, mais des épisodes de 4 jours. Sachant qu'un jour dure environ 8 minutes. Donc, ça permettra d'avoir des épisodes sur un format classique de mes vidéos, on va dire 25-30 minutes. C'est compliqué de définir combien de jours on va faire parce que dans Star, c'est. Il faut toujours faire quelque chose, il faut jamais être inactif. Vous êtes tout le temps en train de faire quelque chose, mais vous avez l'impression de rien faire. Donc, c'est le plus compliqué. Hop. Alors, des bûches. Là. Alors, ici, on a la jauge du jour. Donc, en jaune, c'est la journée. Le rouge, c'est la soirée. Donc, là, c'est là où ça va commencer à être tendance parce que on a notre santé mentale qui va commencer à baisser. Alors, peut-être commencer à avancer un petit peu, j'ai quelques ressources. Et donc, quand la santé mentale baisse, on commence à devenir fou. Donc, il y a tout le décor qui est brouillé, qui tremble. On commence à avoir des hallucinations. Et si votre jauge de santé mentale est trop faible, bah, c'est simple, les hallucinations deviennent réelles et elles vous tuent en beaucoup, quoi. Donc en fait, il va falloir survivre à plusieurs choses. Un, la faim. Donc ne pas mourir de faim, ça c'est le plus important. La santé mentale, donc ne pas devenir fou. Alors attendez, on est où là? On a un champ, on va aller voir.
votre santé mentale et vos points de vie. Plus, autre chose, ne pas rester dans la nuit noire, parce que il y a un super monstre en fait qui se cache dans la nuit et qui vous tue tout simplement. Si vous n'avez pas de source de lumière, vous êtes mort. Alors là, ce qu'on va faire, on va chercher un coin où il y a des arbres. Enfin, les arbres encore, c'est pas vital parce qu'avec la pioche, on va avec la pelle, on va pouvoir récupérer les souches et du coup replanter à peu près tous les vivres un petit peu partout. L'idéal, il y a plusieurs coins pour établir. Oui, on sait établir le camp. Personnellement, je préfère les champs avec autour des lapins. Les lapins, c'est une source fiable de bouffe. Avec des buffles autour, les buffles vous crachant, ah tiens, ça je vous expliquerai un petit peu plus tard ce que c'est. Les buffles vous lâchant des excréments, comment ils appellent ça déjà? Ah, je sais plus. Qui vont vous servir en fait de combustible, soit pour le feu, soit de fertilisant, ou alors pour le craft des fermes par la suite. Alors, faut faire attention quand même, parce que je parle et il faut quand même que je fasse gaffe à la jauge du jour. Donc oui, elle commence à avoir faim, mais c'est pas grave, on mangera quand on aura fait notre petit feu de camp en attendant. Donc là, ce qu'on va faire, je pense, durant l'épisode, parce qu'en général, il faut au moins les 3-4 premiers jours de récolte et d'exploration avant de pouvoir trouver le coin idéal pour établir sa base. Parce qu'après, on ne peut plus bouger ce qu'on a créé, donc... je pense qu'on va passer les premiers jours à faire ça. Hop. Voilà, je pense que j'ai tout juste le temps d'occuper ces trois trucs là. Vous voyez la minimap en haut, elle n'y est pas normalement. C'est le fameux mode que je vous ai montré tout à l'heure. Et pour quelqu'un comme moi qui n'a absolument pas le sens de l'orientation, c'est quand même très 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 pratique. Donc les petites pines de pin servent à deux choses. La première, en tant que combustible. La deuxième, si vous faites un clic droit, hop, vous pouvez replanter un arbre. Donc ça, c'est bien. Ça, c'est très très bien parce que ça va vous permettre de faire votre petite forêt personnelle pas très loin de vous. Hop. Allez, par là. Alors, si j'ai bien compris, ce personnage-là a la santé mentale la plus haute. Mais elle utilise des livres pour avoir des capacités particulières. Mais par contre, les livres consomment de la santé mentale. Donc, à voir comment ça se joue, ça, j'avoue que ça m'a pas mal intrigué. Alors, hop, on va faire ça tout de suite parce que j'ai peur de trop parler et me laisser prendre par le temps. Hop, voilà. Donc là, ici, on a les différents feux. Donc, on a lancé un feu de camp. On va y mettre, hop, 5 combustibles. Alors, attention à ne pas trop en mettre. Voilà. Un feu parfaitement moyen, d'accord. Donc je ne sais pas ce qu'elle va dire quand c'est trop. Mais si vous faites un feu trop fort, ben tout simplement vous allez brûler tout ce qu'il y a autour. Donc c'est pas cool, sachant que le feu vous fait aussi des dégâts. Hop, alors mettons les aliments dessus. La plupart des aliments peuvent être cuits. Donc ils vous rajoutent en général, je vais vous montrer concrètement. Par exemple là, la baie que j'ai ramassée augmente la faim. Enfin, réduit la faim, mais augmente votre jauge de faim de 9,4, une fois cuit de 12,5 et vous rajoute un point de vie. Alors, on va en manger un. On va en manger après. On va cuire tout ça. Et je sens que mon feu va pas tenir la nuit. Hop, on va rajouter un peu de combustible. Voilà. Et on va manger tout ça. Donc ensuite, ces pétales vous permettent de récupérer de la santé mentale lorsque vous les ramassez. Si vous les mangez, elle vous rapporte un point de vie. À savoir que ce personnage-là, si mes souvenirs sont bons... Oh, c'est génial. Alors, c'est vrai que c'est peut-être un petit peu abusé pour ça. C'est que celui-ci... Bon, elle a ses inconvénients aussi, parce qu'elle n'a pas beaucoup de points de vie ni de faim. Mais avant de construire des choses, en premier, il vous faut construire... Si elle est là. Il vous faut construire la machine scientifique qui va vous permettre de construire d'autres choses, notamment le moteur d'alchimie, etc. Donc, normalement, ce chapeau-là, il me semble qu'on peut le faire quand même sans. Mais il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas faire sans ça. Ce personnage-là, étant très intelligent, vous permet de construire les choses sans cette machine. Donc c'est un petit avantage. Donc voilà, je me suis fait un petit chapeau avec des fleurs.
qui nécessite 12 fleurs et vous permet de remonter votre jauge de santé mentale. Sachant que ce chapeau pourrit en 6 jours, je crois. Donc bon, c'est que provisoire, mais c'est utile. Donc on a une tombe, les tombes, on verra que ça peut être relativement utile, il ne fait pas trop ce coin. Donc on a une mine ici, c'est nickel, je ne sais pas si je peux faire une pioche. Oui! Alors, on va aller chercher un petit peu de caillasse. Très important. Alors, je sais pas si on va avoir du bol sur cette map. La dernière map que j'ai faite, la dernière partie, je sais pas si vous l'avez vue, il y a 114 jours. J'ai franchement pas eu de bol sur la génération. Alors, déjà, le début était super mal parti. J'ai repris ce perso modé qui a eu une mise à jour. Alors les stats avaient changé, etc. Donc c'est sûr, elle avance vite. Si elle mange du poisson, elle court beaucoup plus vite. Donc l'exploration va quand même vite. Sauf que la pêche, moi, c'est pas trop mon dada. Surtout qu'il vaut mieux pêcher de nuit à cause des crapauds. Je dirais que les crapauds peuvent être vraiment très chiants. Hop. Mais alors par contre, elle a des stats très faibles. Elle a 100 points de santé mentale. Je vous laisse imaginer, elle en a 250. C'est un peu la dèche. Elle a 100 points de vie, je crois. Mais elle perd un point de vie toutes les 20 secondes. Donc je vous raconte pas la galère du début. Hop, ouais, alors je passe un petit peu de temps à midi pour récupérer de l'or, etc. Car vous verrez. Ah, ça commence. Faut une machine pour ça, bon tant pis. Vous verrez qu'on pourra faire des haches, etc. en or qui permettront d'avoir une durabilité bien plus impressionnante. Voilà, comme vous voyez, en bas dans mon équipement, vous avez un pourcentage, et ce pourcentage en fait c'est la solidité de l'objet. Et plus vous l'utilisez, plus ça descend. Donc on va regarder. Ah, c'est cool parce que je peux faire une pelle en fait avant tout. Normalement, je ne peux pas le faire ça avec un autre perso parce qu'il faut la machine à prototype. Ça va comme ça. Et ça, c'est cool, je dois l'avouer. Donc on va repartir parce que la journée avance. On a récupéré pas mal de caillasses. Hop, hop. On va repartir à la recherche d'un biome sympa où on pourrait s'installer. Oui, donc pareil, c'est un système de biome. Voilà, vous avez la savane ici, vous avez en général tout ce qui est lapin, buffle et l'herbe. Ça, ce sont les prairies où vous avez souvent des mares. Vous avez quelques sapins, beaucoup de brindilles. Hein, les forêts qu'on n'a pas vraiment vues encore, mais en général, c'est ces trucs-là, mais c'est beaucoup plus fourni. Les carrières, comme on vient de voir. Et il y aura un petit biome spécial, mais celui-là on en parlera bien plus tard, sauf si on a la chance de le croiser très tôt dans le jeu. Je l'ai cherché pendant pas mal de temps sur le dernier fait justement, et franchement j'étais dégoûtée parce que j'ai découvert la map qui est quand même assez grande mine de rien. Et c'était la dernière toute petite portion qui restait, il était là. Donc ce biome en question vous permet de récolter des fleurs du mal qui font baisser votre jauge mentale. Mais vous permet de créer des petits objets très très sympas. Donc ça, ce que je viens de faire là, c'est le dernier truc qui a été implémenté. Gouffre. Bon. C'est une partie à part qui se trouve totalement dans le noir, donc on va pas y aller maintenant. Et que je n'ai jamais vu. Donc quand on ira, ça sera de la totale découverte. Non mais c'est pas vrai, il n'y a que des mines ici. Alors, on cherche toujours de la pierre. La nuit va bientôt tomber, d'accord. Alors comme vous voyez, chaque fois qu'il parle, il y a un bruit. C'est le son d'un instrument. Donc elle, je sais plus ce que c'est. Je sais pas ce que c'est. Mais vous avez un instrument par personnage. C'est assez rigolo aussi comme principe. Alors, ça va pas être super passionnant là, c'est clair. On cherche. Ah, il y a tellement de choses à faire. On n'a pas croisé d'araignées non plus. Les araignées sont très utiles parce qu'elles vous lâchent de la soie qui vont vous permettre de créer plein de trucs utiles. Des glandes qui vont vous permettre de créer des soins. Et qu'est-ce qu'elle lâche déjà? Des glandes? De la soie? Il semble qu'il y avait autre chose. Non, et de la viande de mousse, je crois.
La viande de mousse, c'est bien parce que il y en a beaucoup qui l'utilisent pas, malheureusement. Mais elle vous fait perdre cru comme ça, beaucoup de vie, beaucoup de santé, etc. Mais quand vous allez l'utiliser en cuisine, elle compte pour un point. Contrairement à la viande classique qui coûte pour 0,5, hormis les grosses viandes. Du coup, si vous en mettez qu'une dans vos recettes, elle vous pourrit pas la nourriture. Du coup, vous pouvez faire des trucs vachement intéressants avec. Donc à savoir, ne vous débarrassez pas de vos viandes de monstre. C'est super important. Parce qu'après, vous le regrettez amèrement. Bon, alors, c'était bien joli, mais là, on a des biomes mélangés. Je sens qu'on va pas avoir de bol sur cette partie. C'est pas croyable. Faut que je fasse une vidéo pour qu'on soit vraiment pas bien. Alors là, oui, j'évite un petit peu parce que c'est les marées. Ce petit truc-là. Enfin, c'est un bout de marée. Et les marées, il y a des trucs pas cool qui s'y passent. On y fera un tour de toute façon parce que c'est obligatoire. Personnellement, j'aime bien parce que... où est-ce que je vais me poser, moi? Il n'y a pas d'endroit intéressant. J'aime bien parce que ça... Il y a des grosses tentacules qui tuent les mobs pour vous. Alors là, ça, c'était le pire. Alors, on va couper les arbres ici. Il faut que j'arrête de parler parce que je dis plein de trucs. J'ai tellement de trucs à dire. Ouais, alors, je pense que ce jeu, ça va être le jeu où je vais être le plus bavarde. Il y a des chances. C'est... Don't Starve, c'est devenu... une drogue. Tout simplement. C'est vraiment devenu une drogue. Il est très très addictif. J'ai pas plus de carottes, j'ai mangé les carottes. Bon, je voulais tout manger, mais bon, c'est pas une bonne idée. Ce jeu est vraiment addictif, en fait. Vous vous arrêtez pas. Là, il va vraiment falloir que je fasse attention au temps, parce que... Bon, on va mal manger quand on va récupérer des bûches. Parce que j'ai tendance à partir totalement en live et on dit on s'arrête et en fait on s'arrête jamais. Vous regardez l'heure, il y a 2 heures qui se sont écoulées entre temps quoi. Hop, hop, hop. Et hop. Alors on va attendre que la nuit passe, c'est passionnant. Ah ouais, ne jamais vous aventurer trop trop dans le noir et trop trop longtemps. Si vous y allez, voilà, 2 secondes, vous avez la charge mentale qui va baisser. Voilà, je suis dans l'obscurité. Ça, non, elle aime pas. Parce que si vous y restez plus de 3-4 secondes, c'est fini, vous êtes mort. Alors, on va remettre un peu de ça au cas où. Voilà. Juste au cas où. Parce que je suis quand même assez flippée. Il me stresse ce jeu, c'est... Alors, regardons la carte. Évidemment, je suis encore partie dans un endroit où c'est un cul-de-sac. On va tenter par en haut. Ouais, on va tenter par en haut. On verra bien ce qu'il y a. On n'a pas vu des biomes bien sympas jusque-là. Hein. Pas de grande utilité. Alors, là, il y a un stack complet. Allez, on est reparti. On va aller vers le haut. Alors, truc que j'ai pas fait dès le départ, parce que j'aime bien longer les côtes pour bien voir où est-ce qu'on va. Quand vous êtes sur les routes, vous avancez beaucoup plus vite. Voilà, comme ça, ça vous permet de tracer et d'aller où vous voulez aller. Donc, on va quitter la route. Parce que moi, j'ai envie de partir par là. Allez voir ce qui se passe par là. Hop. Je la sens bien par là. Si je la sens bien, c'est que c'est à l'opposé. Oh là là, on est déjà au jour 3, quoi. Il reste 2 jours. Oh, ça va être la misère. Ça va être la misère. Hop. Allez, ramasse un peu des brindilles. Donc, on a un cimetière juste en bas. C'est nickel. Donc, les cimetières, quand vous renversez les tombes, ça fait largement baisser votre jauge mentale. Mais alors, par contre, vous pouvez trouver soit de la grosse merde... soit des trucs très sympas, genre des gemmes qui vont vous permettre de crafter des objets magiques. Ou le truc super important, justement, c'est pour ça que je cherchais le fameux biome dont je parlais au tout début, où je l'ai trouvé qu'à la fin. Oh, des fleurs de mal. On va pas faire ça maintenant. Ça aussi, j'y reviendrai plus tard, cette arme-là. C'est bien qu'on l'ait trouvé maintenant, lui. Bref. Oui, les engrenages vont vous permettre de créer des trucs indispensables, notamment un frigo, parce que la nourriture, vous voyez, pourrie. Donc là, la jauge verte est pleine, mais là, vous voyez, elle commence à descendre.
Donc là, tant qu'elle est verte, ça va. Dès qu'elle va passer à l'orange, elle va perdre énormément de son efficacité. Par exemple, si vous avez un objet qui vous rend 10 de santé mentale, si elle est orange, vous êtes sûr à 90% que vous avez plus ça. Oh non, mais c'est pas vrai! Et mais sérieux, on n'a pas de vol là. Bon, bref. Oui, qui a mangé. Hop. Là, je suis un petit peu embêtée parce que je. Oh, ah, bon. Alors, attendez. Est-ce que je peux faire une lance? Je peux faire une corde. Et tu peux plus rien porter parce que t'es trop bête. Allez, hop. Voilà. Et on va faire une lance. Donc, oui, ça, j'aurais dû le faire dès le départ en fait. Me faire une arme. J'aurais peut-être dû acheter un cochon, mais d'accord, j'ai pas de bol. Allez, viens, 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 viens. Alors, il y a deux solutions pour les araignées. Soit vous les tapez. Merde, ça c'est super important. Non, 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 jette ça, c'est pas ça que je veux. Soit vous les tapez, soit vous mettez des pièges. Donc ça, on n'a pas besoin d'un immédiat. Et ben ça, tant pis aussi. Hop, on va ramasser la viande de monstre. Donc quand vous mettez les pièges, en fait, ça les one shot. Vous récupérez le piège et vous allez récupérer les objets qu'elles sont censées looter. Voilà. Donc c'est l'avantage. Ah là, voilà. Ça c'est super important aussi. Donc c'est cool, tant pis, on va jeter ça aussi. Tant qu'on aura. Oh mais je suis bête, attendez. J'avais oublié que elle pouvait faire plein de trucs. Alors je sais plus où c'est. Ah, survie. Survie, sac à dos. Yes! Nickel! Bon, j'ai rien dit en fait. C'est vrai que c'est vachement pratique en fait son pouvoir là. Parce qu'elle peut faire vachement plus de trucs sans avoir son camp. Du coup, ça va nous permettre d'explorer un petit peu le territoire sans nous poser à l'arrache. Bon, du coup, j'ai perdu du temps, mais c'est pas grave. On va mettre ça ici en attendant. Ça aussi. Vous aurez de la place ici, ça sera aussi bien. Ça, je sais pas ce que c'est, on verra ça plus tard. Ça, si j'ai bien compris, ça permet d'apprendre un truc, mais j'ai peur de l'utiliser. Alors ça, c'est les cochons. Je sais pas si vous les entendez, c'est les cochons qui font ce bruit-là. Ça ressemble un petit peu des fois au bruit que font certains monstres, et franchement, ça me fait flipper. Je vais flipper souvent, je pense. Oui, c'est pas un jeu qui a l'air flippant comme ça au premier abord, mais quand vous arrivez à survivre pas mal de jours, plus vous survivez, plus vous avez certains monstres dont je vous laisse le plaisir de découvrir très bientôt, qui vont arriver par groupe. Alors au début, c'est pas grave, ils arrivent par deux. Mais après, ils arriveront par 8. Un truc comme ça. Oh tiens. Alors on va attendre parce que. Hop, elles vont sortir quoi qu'il arrive. On va se faire hop une armure. Allez, viens là. Non, pas abattre. Oh. Voilà, hop. On va les tuer tant qu'elles sortent. Ça nous évite de nous approcher. Je me demande si la nuit il n'y en a pas plus qui sortent par contre. Non, il n'y a pas l'air. Allez, oh, c'est cool. On aura eu directement de la soie dès le départ. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Bon, c'est cool parce qu'on va arriver au dernier jour pour cette vidéo et on n'aura toujours pas découvert de savane, quoi. Enfin, de vraies savanes parce qu'on a découvert des mini biomes savanes, mais honnêtement, ça sert un petit peu à rien. Alors, on va récupérer des baies parce qu'on va crever la dalle à force. Là, là, et on va se poser ici, comme ça on va récupérer du bois. Tant pis si on n'avance pas un petit peu plus pour ce jour. On va pas prendre de risque et on va faire le stock de bois parce que c'est quand même super utile. Voilà. Ah là là, je stresse déjà, même pas pour le jeu en lui-même, mais ne serait-ce que le fait de pas réussir à faire tout ce que j'ai envie de faire, au moins pour la première vidéo. J'aurais bien aimé qu'on fasse le camp dans la première, mais visiblement ça va pas le faire. Alors là, faut faire gaffe parce qu'il y a beaucoup d'arbres autour. Et si on met trop de feu, bah tout prend feu. Alors c'est cool parce qu'on aura la lumière, et ça, il n'y a pas de souci. Et en plus, on aura du charbon, mais on va peut-être pas faire ça maintenant, quoi. Alors aussi, il faut partir à la recherche de notre petite Chester. Chester, c'est... Alors attendez, que j'essaie de me retrouver. Je crois qu'on était dans le sens. Oh là là, je suis perdue.
Chester, c'est un petit coffre sur pattes. Vous l'avez peut-être vu sur la page de titre quand j'ai lancé le jeu. C'est un petit coffre, en fait. Vous avez un petit bâton que vous avez dans votre inventaire et ce petit coffre vous suit et ça vous fait quand même 9 emplacements. Ouais, 9 emplacements, me semble-t-il, de plus sur pattes. Donc, faut avouer que c'est très, très, très pratique. Donc ça, voilà, c'est ces glandes-là qui vous servent pour fabriquer. Alors, je pense pas qu'on puisse les faire de toute façon. Ah non, même pas. On ne faut même pas de machine avec elles. Donc, il faut descendre. Et pour avoir des cendres, il faut avoir des trucs qui crament. Donc, les cendres, c'est pas très, très compliqué à faire. Vous fabriquez une torche, vous mettez genre de l'herbe autour ou des pignes comme ça. Ça prend feu et ça va vous laisser descendre. Et ça vous rend 20 points de vie. Ah oui, c'est vrai, je suis con. Il faudrait peut-être que je mange aussi. J'ai rien récupéré à manger. Ah, je parle et... je parle et je fais un peu n'importe quoi. Donc ça cuit, je sais plus trop que ça m'enlève. Ah, moins 3 de vie, moins 10 de santé mentale, c'est peut-être pas terrible. Sauf que lui, il me fait récupérer 15. Mais bon, pour 18... Ouais, si. Allez, hop, on va faire ça. On va faire ça pour la récupérer. Voilà. Et la petite plante pour se soigner. Ouais, il y a des petites astuces comme ça qu'on se trouve quand on perd énormément de santé mentale et qu'on n'en a pas beaucoup. C'est justement... Oh, un champignon bleu. Oh non, on sort. Tant pis, je te creuse. Ouais, il y a un petit freeze à chaque fois que le jeu sauvegarde. C'est assez bizarre. Donc, des petites astuces comme ça quand vous n'avez pas beaucoup de santé mentale et que vous paniquez assez vite. Oh, démarrer! Je me fais interrompre à chaque fois. Oh, ça c'est super bien. Oh, un coffre. Oh, il y a plein de trucs là-dedans. Bon, alors, le bruit que vous entendez. Oh, je sais pas si je peux le faire. Le bruit que vous entendez là, c'est. Oh, mais c'est génial, on va tout dès le départ. C'est des tentacules. Alors, ça fait très mal. Très très mal. Alors, on va essayer de récupérer les papiers bleus là. Il va falloir que je vide mon inventaire. Donc on va jeter ça parce que c'est à moitié pourri. Les graines, pareil. Il y avait 4 trucs. Hein. Oh là là. Ça, pareil. 1, 2, 3, 4. Ok. Donc on va mettre ça ici. Ah non, on va péter de là parce que j'ai pas envie de me prendre les trucs dans la tranche. Ok. Alors, il y avait des plants. Ok. Ok. Allez, vite, vite, vite. Avant que l'autre arrive. Oh, ok, c'est parti. Voilà, donc c'est plein. Ouh, tout, pas les crapauds. Alors, ces crapauds là, si vous restez loin, ils sont cool. Si. Ouais, super, on va faire ça. Voilà, les tentacules, c'est ça. Ce qui est bien, c'est que elles attaquent les mobs. Voilà. Et ça, c'est génial. Parce que du coup, vous avez rien à faire. Juste à tourner en rond. Oula, il y en a partout par contre. Bon, bah après, voilà. Ok, bon. Écoutez, c'est bien joli, mais je pense que là, on n'y arrivera pas. J'ai dit plein de trucs, je me suis perdue en cours de route, ça fait juste peur. Quoi. Bref, on va essayer de se ressaisir et reprendre des idées dans l'ordre. Plus du tout ce que tu fais. Bon, bref, les tentacules, c'est cool parce que ça tue les mobs pour vous. Ça, déjà, c'était l'idée principale. Sauf que là, il y en a beaucoup. Alors, c'est bien de venir le soir ici, même si ça fait très peur. Parce qu'il y a plein de monstres qui vont sortir et toutes les tentacules seront dehors. Du coup, elles vont tuer tout pour vous. Oh non, mais je peux récupérer mon roseau tranquille, s'il vous plaît. Elles vont tuer tous les monstres pour vous et du coup vous n'avez rien à faire. Vous passez derrière, vous ramassez vos objets et basta. Oh, c'est cool ça. Une pelle, est-ce que ma pelle a une balle? Ah non, non, non. Ouais, alors là c'est un peu chaud quand même parce qu'il y a quand même beaucoup de tentatives. Alors j'ai tellement à récupérer un max de roseaux maintenant parce que tout là. On va pas venir normalement souvent dans les marais. Souvent ils sont loin de mes campements, justement. Et ça vous permet de faire des trucs quand même vachement sympas, genre des sarbacanes. Il y avait un bruit que j'ai pas aimé là. Encore le gros bruit, ça va, non, mais il y a un petit bruit, j'ai pas aimé le petit bruit. Bon bref, des sarbacanes qui vous permettent de tirer à distance, qui font pas mal de dégâts malgré tout. Et sur certains monstres, ça peut être vachement pratique.
Bon, la soie dans les marais, on va oublier pour le moment, on verra ça plus tard. C'est pas très grave, on en a un petit peu déjà assez pour se faire quelque chose. J'aimerais bien sortir des marais, par contre, je veux pas du tout passer la nuit ici. Il y a des tentacules partout. Alors, on est où là? Oh là là, j'espère qu'on va pouvoir partir bientôt. Alors ouais, je longe les côtes parce que c'est vachement plus simple en général pour localiser les différents biomes. Et en plus, la journée va toucher à sa fin et donc la vidéo à son terme également. On aura vu les départs de survie de notre petit ami là. Et mon inventaire est déjà plein. Oh là là, je veux sortir, pitié, je veux sortir. En plus, il y a des monstres, je vais faire l'erreur de m'attarder. Et je veux absolument sortir. S'il vous plaît! Oui! Oh tiens! Oh mais c'est pas croyable ça! Alors, là, va falloir se débrouiller. Oh merde, c'est pas vrai. Bon, c'est pas grave, on va faire un truc, on va faire le feu ici. Vous voyez, des fois, il y a des... Ouais, alors ça, par contre, ça va peut-être être un petit peu risqué. Il y a quand même pas mal de morts autour. C'est juste qu'ils vont pas s'approcher de nous. Ces trucs là c'est quoi? A mon avis ça vous permet d'apprendre à crafter des trucs. Je connais pas du tout hein. J'ai juste vu ces parchemins une fois dans le monde aventure. Alors là mon pauvre putain. Oh là là. On va pas s'approcher du mob là-bas. Non, t'approches pas de moi, s'il te plaît. T'approches pas de moi. Ok, t'as mangé la carotte. T'es content? Non, tu te casses. Ok. Je l'ai vu dans le monde aventure. Le monde aventure, je vous en parlerai un petit peu plus tard. Bon, c'est pas grave. Je vais toutes les apprendre. Je sais pas du tout ce que ça fait. Par contre, il me faudrait manger là. Parce que toi, tu me bouffes tous mes trucs, mais j'ai rien à bouffer. Ah si, ça. Et on prend ça pour prendre. Ouais, sauf que en fait, on n'a pas dû faire ça comme ça, mais c'est pas grave. Voilà, bon, ça suffira. Le mode aventure, je vous en parlerai un petit peu plus tard. J'avais vu ces trucs-là. Je pense que ça vous rajoute des trucs de craft dans. Ah, oh, bah vous voyez, il y a plein de poissons et tout là-bas. Des trucs de craft dans votre inventaire. Dans. Je sais plus ce que je dis là, ça y est, c'est fini. Allez. Ah voilà, mais non, même pas. Des options de craft là-dedans, mais je sais pas. Bon, bref, je vais arrêter de dire n'importe quoi, me concentrer un petit peu. De toute façon, c'est la fin de la journée. On va s'arrêter à l'issue de cette nuit et on continuera au prochain épisode. Notre exploration qui va nous mener je ne sais pas où parce que bah, dans tout ça on n'a pas trouvé encore une seule savane. Voilà. Ah ouais non, on est carrément pas dans le bon sens. C'est dans quel sens? Comme ça non? Ah, je sais plus. Bon bref c'est pas grave. Bah tiens ça serait la bonne idée, je sais pas si on peut la faire. Je sais plus où aller ce truc là. C'est dans le survie. Ah, ah oui j'avais oublié ça, il y a des éclairs qui tombent. Et si on peut la faire, il faut quoi? Oh punaise. Ah! Non! Non, non! Ah ben voilà, il y a des cendres là. Hop! En fait, ça, j'ai peur que. C'est que du papyrus en fait. Je croyais que c'était des trucs qu'elle devait apprendre. En fait, non, c'est que du papyrus. Et s'il faut, ça, ça utilise. Merde, ça utilise du papyrus. D'accord! Ok! Graines et trucs particuliers sur le soin et l'alimentation. Bon, ok. Bon, bref. Encore une fois, je ne sais plus ce que je disais. C'est pas grave. Alors, ça, j'en parlerai aussi plus tard. C'est super important, surtout dans le monde aventure, dans le monde de survie. Pas trop. Sauf si vous arrivez, que vous savez plus trop quoi faire sur votre carte, que votre base est bien avancée, que vous avez fait de jolies constructions partout. Et ben.
Quand vous avez tout récolté, ça vous permet de passer au monde suivant. Bon, allez les amis, je quitte ici. On a fait nos 4 jours. Les suivants, ben, ça va être 4 jours, 4 jours, 4 jours. On va voir où ça nous mène. J'espère qu'on va trouver bientôt, très vite, une base où s'établir parce que ça va pas le faire. Sur ce, je vous dis à ciao. J'espère que ce jeu vous plaira et que vous suivrez l'aventure avec moi. Allez, salut!